Beau métier. À peine débarqué de l'avion, nous avons un nouvel homicide pour vous. Comment savez-vous qu'il s'agit du même tueur? On ne le sait pas. Mais d'après les voisins, son âge correspond à celui des autres victimes. La police ne vous signale pas si c'est le même mode opératoire? Elle devrait, mais elle ne le fait jamais. Qu'est-ce que vous foutez là, Novak? Je visite les lieux. Agent spécial Bowman, inspecteur McElroy. Inspecteur? Elle travaille au département de psychologie et arrive de Quantico. Vous savez que les meurtres en série relèvent des compétences du bureau. Sauf que personne m'a dit qu'il s'agissait d'un tueur en série. C'est ce qu'on est venu vérifier. Où est le corps de la victime? Il y a des traces de lutte? Aucune. Il y en avait. Mais il a tout remis en ordre. Qu'est-ce qu'on sait sur elle? Elle s'appelle Jessica Larsen. Elle tient un restaurant à la Marina, le Larsen Station. Je le connais. $8 le verre de vin. Allez, McElroy, ne jouez pas au plus fin avec moi. Où est la photo? Un élément de plus dans sa collection de souvenirs. C'est le 7e homicide avec le même mode opératoire. Des femmes jeunes d'un bon niveau social tuées dans leur lit. Pas de traces de lutte. Il prend toujours un bijou et il y a toujours deux photos. Deux. L'une dans la main de la victime et l'autre cachée quelque part dont il a découpé un détail. Il s'agit d'un meurtre en série, inspecteur. Cette affaire concerne le FBI. D'accord. On débarrasse les lieux. Cherchez les empreintes. Vous n'en trouverez aucune, il ne laisse jamais d'empreinte. Elle était encore vivante quand il a pris cette photo. Novak. Ce salaud est un vrai pervers. Vous devez avoir quelques pistes, donnez-nous une information. Je vous en prie, Kurt, arrêtez de nous mener en bateau. Si j'avais quelque chose à vous dire, je vous le dirais. Un cadavre de plus et toujours aucun commentaire de l'agent du FBI, Kurt Novak. Pas étonnant qu'ils croient qu'on leur cache quelque chose. Tous ces homicides, on n'a toujours rien. J'ai établi un profil, on a assez d'éléments pour commencer à travailler. Oui, il serait temps de se lancer, vu l'avance qu'il a sur nous. Hé, hey, Novak! J'ai un appel pour vous. J'ai un appel pour vous, je suis sérieux. Faites court, s'il vous plaît. Novak à l'appareil. Novak, vous ne dites jamais rien, ces gentils journalistes. Ne croyez-vous pas que vous devriez publier les photos? C'est lui. Il est peut-être quelque part dans les parages. Je vais y réfléchir. Il y a cependant du pour et du contre. Ce sont des preuves, Novak. Le public devrait en avoir connaissance. 555-01-44. Essayez de me localiser l'appel au 555-01-44. Vous ne croyez pas au partage? Ce n'est pas très gentil, Novak. Eh bien, il y a des choses que je préfère garder pour moi. Vous êtes intelligent, je suis sûr que vous comprenez. Diffusez ces maudites photos, Novak. Je ne plaisante pas. Écoutez. Il a raccroché. Vous l'avez localisé? D'accord. Ils n'ont rien. Cette fois, il a réussi à nous surprendre, mais on sera prêt la prochaine fois. Examinons les détails une fois de plus. Il nous laisse deux photos de chaque victime et il découpe une d'elles. Mais il ne démembre pas les victimes. Exactement. En fait, il les arrange avec le plus grand soin. Il veut donner l'impression qu'elles n'ont pas souffert. Qu'est-ce que ça nous indique? Je crois qu'il collectionne les éléments. Sur cette photo, il manque une jambe. Sur une autre, un bras, une partie du visage, une hanche. Nous avons le corps, nous n'avons pas besoin de photos. Alors pourquoi les laisse-t-il avant de partir? Il veut que nous sachions qu'il prend des photos. Pourquoi? C'est un album de famille. Est-ce qu'il nous les laisse parce que nous faisons partie de la famille? Eh bien, c'est tout à fait possible. Examinons un autre détail. Regardez la façon dont il met les choses en ordre.
Il prend soin du corps, il brosse les cheveux, il arrange tout avec soin. Je dirais qu'il s'agit d'un travailleur social issu d'une famille peu nombreuse, peut-être un enfant unique. Donc nous avons un garçon soigné et ordonné qui pourrait être ou ne pas être enfant unique. En quoi ça nous avance-t-il? Parlons plutôt des pièces à conviction. Qu'est-ce qu'on a? Il découpe les bords des photos, pas de numéro de série, alors pas d'indice. Il rencontre ses victimes en dehors de leur travail. Ainsi, personne ne les voit partir ensemble, personne ne peut l'identifier. Ah, écoutez, vous êtes en train de me dire ce que nous n'avons pas. Je veux savoir ce que nous avons. Nous avons le fait qu'il choisit des femmes qui réussissent brillamment dans leur carrière. J'en déduis que cela signifie qu'il est présentable, qu'il parle bien et qu'il est instruit. Ça, c'est intéressant. Bon. Quoi d'autre? Enfin, voyons, nous avons 5 homicides dans le secteur de Los Angeles, un à Denver et un autre à San Francisco. Il voyage. Il est peut-être représentant de commerce. Et nous savons que c'est sa base de départ, parce qu'il y a eu plusieurs meurtres ici. Bien, Andrea, essayez de peaufiner ce profil, vous trouverez peut-être quelque chose de plus concret. Et parallèlement, examinons les dates de Denver et de San Francisco. Peut-être qu'elles ont un point commun, une foire commerciale, un grand tournoi de tennis, je sais pas, moi. Plusieurs mois séparent les premiers meurtres, ensuite des semaines. Entre celui-là et le précédent, seulement 10 jours. Il fait monter les enchères. On se laisse distancer. On a assez perdu de temps. Il dort? Oh oui, comme un loir. Ce soir, aux infos, ils ont annoncé un autre meurtre. Tu sais, quand il est endormi, il te ressemble encore plus. Il a ta bouche. Non, c'est le portrait de ton père. C'est le même assassin. Tourne-toi. Je veux voir ta bouche. Pourquoi tu ne réponds pas à une simple question? C'est quoi la question? Est-ce qu'il s'agit du même tueur? Nous sommes couchés et tu veux parler d'assassinat. Oh, Kurt, pourquoi tu ne dis jamais rien? J'ai pas envie d'en parler. Oh, alors c'est une chance que je t'ai vu sortir de ce bâtiment au journal télévisé de 11h. Parce que sinon je ne saurais pas ce que mon mari fait. Oui, Michel. Mais je ne te demande pas de me révéler les lourds secrets du FBI. Je me sens tout simplement mise à l'écart. Il vaut mieux que tu restes à l'écart, crois-moi. Kurt, tu es très distrait dernièrement. Distant. Avant, tu me parlais de ton travail. Avant, je n'enquêtais pas sur des meurtres en série. Tu comprends? Et avant, je n'avais pas d'enfant. Mais qu'est-ce que Johnny a à voir avec ça? Je n'ai jamais dit qu'on devait en parler devant Johnny. Nous ne sommes plus deux adolescents partageant le même appartement. Ce sont des sales affaires, tu comprends? C'est pas le genre de choses qu'on a envie de rapporter chez soi. Encore un cauchemar. Tu veux que j'y aille? Non, j'y vais. C'est justement la raison pour laquelle j'essaye de garder ça à l'extérieur de la maison. Hé, 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 hé. Tout va bien. Oh, papa. Oui. Dis, papa, quand t'es rentré, il n'y avait personne? Non. Tu en es sûr? Si, moi, j'en suis sûr. Ton père est un agent du FBI. Je suis désolé. Il n'y a vraiment pas de quoi, fiston. Si je n'avais pas eu peur, tu n'aurais pas été obligé de te réveiller et de venir ici. Je n'étais pas en train de dormir et j'allais venir de toute manière. Parce que je voulais voir mon petit bout. Allez, pousse-toi un peu que je puisse m'allonger. Maintenant, il faut dormir. Tu as école demain matin. Eh oui, tout le monde doit aller à l'école. Pas vrai, fiston? Allez, ferme les yeux. Papa est là. Allez, petit. Rendors-toi vite.
chérie. Oh, désolé. Je n'avais pas l'intention de dormir ici. Papa? Hein? Pourquoi je fais tous ces cauchemars? Eh ben... parce que tout le monde fait des cauchemars. Il y a des choses qui nous inquiètent dans la journée et elles ressurgissent dans notre tête la nuit, pendant notre sommeil. T'es inquiet à cause du travail de papa? Oui. Johnny, je travaille avec une équipe. On part à la recherche des criminels ensemble, on les retrouve et on les met en prison. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je serai toujours là pour vous protéger, toi et maman. D'accord? D'accord. Tu sais, si tu veux avoir peur de quelque chose, inquiète-toi de savoir comment tu vas piloter ton hot rod une fois que j'aurai fixé cette roue. Allez, on va faire un petit essai? Super! Allez, on recommence, papa? Non, faut qu'on rentre à la maison. Non, encore une fois. S'il te plaît. D'accord, encore une fois. Je monte la colline. Dans la main. Maman, j'ai descendu la colline de Cherry Street. C'était trop génial. Je savais que ça te plairait. Va faire ta toilette maintenant. On vient d'avoir du nouveau. Tant que tu y es, prends un bain. Un autre homicide. Dans la baignoire, tout de suite. Bon, je vais te faire couler l'eau. Allez, 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 allez. Où ça? En Australie, à Sydney. En Australie, à Sydney. Même mode opératoire. La victime a un petit théâtre. Il a laissé, comme toujours, deux photos. Tout colle. C'est notre assassin. Restez en contact. Enregistrez tous leurs rapports. Vous y allez? Écoutez, Andrea, je ne sais déjà plus où donner de la tête ici, et puis ils ne me laisseront pas enquêter sur leur affaire. Ils ont un suspect en garde à vue. Non, mais je vais pas entrer dans les détails. Vous n'avez pas besoin d'une histoire de famille. C'est le seul moyen que j'ai pour agir. Alors vous décidez... Non, passe plus l'ouvert. Quand je le porte, j'ai l'air de peser 150 kilos. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Hein? Ah, à charge de revanche. Merci. Je préférerais que tu ne sois pas obligé d'y aller. Ça tombe pendant les vacances de Johnny. Il aime bien passer du temps avec toi. Moi aussi, j'aimerais passer plus de temps avec vous. Qu'est-ce que tu dirais si on partait tous les trois aux frais du bureau? Tu es sérieux? Ouais. Oh! Thank you.
Je n'ai pas envie d'entendre ça, Roger. C'est une insulte à votre intelligence. Ceci a été trouvé dans la commode de votre hôtel. C'est la première fois que je vois ce bijou. Peut-être que cette photo vous rafraîchira la mémoire. Elle s'appelle Leslie Blaine. Je ne la connais même pas. Vous avez beaucoup de mal à me donner des explications aujourd'hui, Roger. Mais peut-être pouvez-vous expliquer ça. Non, je ne peux pas, je ne fume pas. Larson Station. C'est un restaurant de Los Angeles, n'est-ce pas, Monsieur Novak? Dans le quartier de Venice. Je n'y suis jamais allé. Nous avons eu 7 homicides là-bas, aux États-Unis, qui ressemblent beaucoup à celui-là, Monsieur Fortson. Je n'ai strictement rien à voir avec ça. Je ne sais rien. Mettez-vous à sa place, Roger. Nous avons reçu un coup de téléphone de quelqu'un disant vous avoir vu passer prendre Leslie Blaine à son lieu de travail. Qui aurait pu dire ça? Je ne suis jamais allé là-bas. J'ai une femme et un enfant. Je ne sors qu'avec ma famille. Ah, ça pourrait être un bon argument, Roger. En général, nous n'accordons pas beaucoup de crédit aux appels anonymes. Mais comment expliquez-vous que l'on ait retrouvé le corps de cette fille dans votre chambre d'hôtel et le collier dans la commode de la chambre? Et la boîte d'allumettes? Je n'ai jamais vu ces objets dans ma chambre. Et je ne sais pas comment ils y sont arrivés. Je pourrais vous rendre un service, vous faciliter les choses. Nous n'avons pas la peine de mort ici, en Australie. Alors vous ne croyez pas que ce serait une bonne idée si vous acceptiez de parler? Eh bien, voici un homme qui ne veut même pas céder lui-même. Je pense qu'on devrait le laisser tranquille. Le laisser réfléchir. Fin de l'interrogatoire, 12h15. Le spectacle est terminé. Je suis pas sûr que ce soit notre homme. Bien sûr que c'est lui, il est pétrifié de peur parce qu'il sait qu'on l'a coincé. Novak. Félicitations. Oui, je sais, ça a l'air de coller, mais je suis pas convaincu. Cet homme est complètement effondré. Bien sûr qu'il est effondré, le jeu est terminé. Nous avons affaire à une personnalité multiple, Kurt. Je fiche de savoir combien de personnalités il a, il ne pleurnicherait pas comme ça. Il y a une tonne de preuves. Ça n'est pas l'homme que j'ai eu au téléphone, Andrea. Mais vous aviez dit qu'il avait déformé sa voix. Oui, c'est vrai. Écoutez, on va se tirer ça au clair. Nous avons 7 homicides et eux en ont un. Si Roger Fortson a un alibi pour l'un d'eux... On travaille déjà là-dessus. Très bien. Vous réagissez comme si vous étiez son avocat. Mais en ce qui me concerne, cette affaire est classée. Et voilà. Avez-vous fait une arrestation? Il y avait un suspect, n'est-ce pas? Est-ce un Américain? Nous avons un suspect. Nous avons engagé des poursuites judiciaires. Et oui, il est Américain. Sont bizarres ici. Comment ça se fait que tout soit aussi étrange? L'Australie est un continent complètement séparé des autres. Les choses évoluent différemment. Oh, on dirait que papa a eu une bonne journée. Il t'avait bien dit qu'il l'arrêterait. Allez, viens, mon chéri. Thank you.
Ah oui? Je te conseille de faire une sieste avant de dîner. Ton père devrait être rentré d'ici là. Je suis fatiguée. Alors, fais-moi plaisir. Je peux regarder la télé? Non. S'il te plaît. Bon, d'accord. C'est une très bonne équipe. On peut commander une pizza? On verra quand papa rentrera. Rico court à gauche du terrain. Il court pour trouver une autre vertu. L'arbitre a sifflé. Mêlé au centre du terrain. Ils ont récupéré le batteur, semble-t-il, oui. Oui, ils l'ont arraché. Ils sont en possession du ballon. Non, quelle bataille! Quelle bataille! Charge de Rico. Ils sont agressifs en défense en ce moment. On voit toute la détermination des joueurs, mais il faut tout de même faire preuve de discipline. Oh, c'est magnifique! Oh, c'est merveilleux! C'était un coup magnifique. Très bonne combinaison. Rien, tout va bien, je suis là. Je suis là, tout va bien. D'accord? Ce n'est rien. Oh. Hé! Hey. Qu'est-ce qui se passe? T'as encore fait un cauchemar? Ce n'était pas un cauchemar. Je l'ai vu. J'ai vu un homme dans la pièce. T'as vu qui, mon grand? Comment il était? Je sais plus très bien. Mais c'est parce qu'il n'y avait personne, mon grand. C'était encore un mauvais rêve. Tiens, j'ai quelque chose qui va te changer les idées. Alors? Waouh! Je suis impatient que mes copains voient ça. Utiliser avec prudence. Oui, fais attention, s'il te plaît. Surtout ici. Et ça, c'est pour toi. Oh, Kurt, c'est magnifique. Merci beaucoup. C'est papa. Content que ça te plaise. Comment ça, vous ne trouvez pas les billets? Ils sont là. Dans l'ordinateur, monsieur. Vous ne les trouverez pas dans l'ordinateur parce qu'ils sont dans ma main. Apparemment, quelqu'un a annulé votre réservation. Ils ne peuvent pas avoir été annulés puisque je les ai là. Je fais de mon mieux, monsieur. Je cherche. Votre vol est complet. Oui, mais ma femme, mon fils et moi, nous sommes aussi passagers sur ce vol. Ah, ça y est, vous avez été réenregistré sur Oceanic, vol 816. Écoutez, nous n'avons pas été réenregistrés, j'ai les billets d'avion là, à la main, c'est complètement ridicule. Vous avez été réenregistré et placé en première classe. Écoutez, je suis agent du... En première classe? Il y a un supplément à régler?
Non, monsieur. Merci. Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider? Oui. De ce côté, deuxième rangée à gauche. Merci. On t'a peut-être mis en première classe parce que tu as arrêté ce type. Peut-être. Bonjour, monsieur. Bonjour. Première classe. Par ici, monsieur. Je vous souhaite un agréable vol. Bonjour, monsieur. Très bien. Vous êtes à la deuxième rangée, côté hublot, côté couloir et en face. Puis-je prendre votre manteau et votre écharpe? Votre veste, monsieur? Non. Merci. Wow, regardez ça! Tu es sûr qu'il n'y a pas de supplément à payer? Bonjour, je m'appelle Justin. Tu dois être Johnny. Comment connaissez-vous son nom? C'est écrit sur le manifeste, monsieur et madame Novak et leur fils John. C'est super! Est-ce que vous désirez une boisson? Eh bien, un soda, quelque chose sans caféine. Le vol est long, choix judicieux. Et vous? Un vin blanc, merci. Monsieur? Un whisky soda. Je vous apporte ça tout de suite. Et c'est moi qui suis censé être suspicieux. Ah oui, c'est vrai. L'affaire est classée, on peut se détendre. Ah. Attendez, laissez-moi faire. Ça va aller. Non, non, j'insiste. C'est inutile. Bon, j'essayais seulement de vous aider. Excusez-moi. Bonjour, mesdames et messieurs, c'est le commandant Bruce Copeland qui vous parle. Je vous souhaite la bienvenue à bord du vol 816 d'Océanique au départ de Sydney, à destination de l'aéroport international de Los Angeles. Veuillez vous asseoir confortablement. Nous attendons un dernier passager. Dès que tout le monde sera à bord, nous rejoindrons la piste de décollage. Veuillez patienter quelques minutes. En attendant, les membres de l'équipage sont à votre entière disposition. Vous avez appelé l'aérogare? Oui, plusieurs fois et pour l'instant, toujours rien. Il s'agit d'un passager qui était sur le vol de Melbourne? Oui, monsieur. Très bien. S'il n'est pas là dans deux minutes, on retire ses bagages de la soute. Je ne vais pas retarder l'heure du décollage pour un idiot qui a dû s'endormir dans la salle d'attente. T'as raison, Bruce. Très bien. Mettez un peu de whisky dans le whisky soda en première classe. À l'attention du personnel de cabine, préparez-vous pour le décollage. Oh, je me demande s'il a embarqué. Qui? Le passager que nous attendions. Tu crois que c'est un passager? Ce n'est pas parce que quelqu'un est en retard qu'obligatoirement il s'agit d'une femme, Kurt. Je parie que c'est un homme. Papa, tu es toujours en retard à tout. À quand remonte la dernière fois que... Tout le monde à quand remonte la dernière fois que nous avons vu le début d'un film? Oh, vous savez tous les deux taper où ça fait mal. Je vais devoir vous retirer vos verres pour le décollage, mais je vous promets de vous les remplir dès que nous aurons pris l'altitude. Garde ta ceinture attachée. Je vous resservirai aussitôt après le décollage. Merci. Relevez votre dossier. De mes rêves.
Je vais aller m'asseoir. Si vous avez besoin de quelque chose, appuyez sur le bouton d'appel. Merci, j'aurais seulement besoin de marcher pour m'étirer les jambes. Le vol est long. Merci. À votre service. Eh, il s'est endormi, ça y est. Oh, tu es trop mignon, je les adore. L'écharpe et ça, décidément tu me gâtes. De quoi est-ce que tu parles? Où as-tu trouvé ça? Comment ça, où je les ai trouvés? Où as-tu trouvé ces boucles? Là où tu les as mises. Ici, dans la pochette. Kurt, qu'est-ce qui se passe? Michel, elles appartiennent à la dernière victime de Los Angeles. Oh mon Dieu! Allô? J'espère que les boucles d'oreilles plaisent à votre femme. Je me suis donné un mal fou pour les lui faire parvenir. Oui, eh bien, si vous voulez bien me donner votre adresse, je lui demanderai de vous envoyer une carte de remerciement. C'est très gentil, Novak. Vous auriez dû faire publier les photos comme je vous l'avais demandé, pour informer le public. Peut-être quelqu'un m'a vu sortir d'un des appartements. Et peut-être qu'un bon citoyen m'aurait dénoncé. Peut-être auriez-vous pu sauver d'autres vies. Écoutez, je... Je veux que tu viennes avec moi. Viens. Nous devons réfléchir calmement. Nous n'avons pas la certitude que cet homme soit dans l'avion. Il a pu déposer des boucles quand nous étions encore au sol. Et comment aurait-il su où nous sommes? Avec le manifeste, tu te rappelles? Ah oui. Écoute, Michel, s'il était dans le même avion que moi, il n'aurait pas intérêt à ce que je le sache. Je ne comprends pas, je croyais que tu avais arrêté cet homme. La police de Sydney était pressée de boucler l'affaire. Et toi, non? J'avais des doutes. Ça ne te ressemble pas, Kurt. Comment as-tu pu laisser la police? Je n'ai aucun pouvoir judiciaire en Australie. J'ai dit au bureau de continuer l'enquête. C'est la seule chose que je pouvais faire. J'aurais préféré que tu me le dises. J'ignorais que nous serions personnellement concernés. Pour ne rien te cacher, il m'a déjà appelé. Ça n'est pas la première fois. Quoi? Je ne t'ai rien dit. Je ne voulais pas t'alarmer. Où et quand ça s'est passé? Écoute, il s'en prend à moi parce que c'est moi qui dirige l'enquête. Ça arrive. Kurt, Johnny a dit qu'il avait vu quelqu'un dans la chambre d'hôtel. Tu ne crois pas? Non. Non, je ne crois pas. D'accord. Non, mais ça fait très longtemps que je le sais. Si. Je leur en avais parlé. Bon, avant. D'accord. Il s'est réveillé. S'il te plaît, va le rejoindre. J'arrive. Tu as bien dormi? Oui. Est-ce que je peux avoir un soda? Oui. Oui, chérie. En Floride, oui, peut-être? Ça. Excusez-moi. Vous étiez à Miami? Oh, je suis désolée, monsieur Novak. Il est interdit d'entrer dans la cabine de pilotage. Je suis du FBI. Je dois parler au commandant. Commandant, ce monsieur désire vous parler. Oui. Kurt Novak, agent spécial, Bureau fédéral d'investigation. Et alors? Oh.
Commandant, le passager que nous attendions avant le décollage est-il monté dans l'avion? Non, pourquoi? Avait-il habillé de Melbourne ou devait-il embarquer à Sydney? Je réponds à vos questions, vous ne répondez pas aux miennes. Dans cet appareil, c'est moi qui commande. Alors je vous conseille de mettre carte sur table. Quel est le problème, à ton avis? Pourquoi veux-tu qu'il y ait un problème? Eh bien, il est du FBI. Je parie que c'est celui qui est venu à cause du tueur en série qu'ils ont arrêté. Tu plaisantes? Non, je l'ai lu dans la presse qu'un agent spécial du FBI était venu. C'est vrai? Il y a deux possibilités, commandant. Les boucles d'oreilles ont été déposées par une personne qui est toujours dans l'avion ou par une personne qui en est descendue avant le décollage. Et vous supposez que la personne est descendue? Commandant, je ne suppose rien, mais je dois envisager toutes les éventualités. Si cette personne est encore dans l'avion, elle sera avec nous pendant les 14 prochaines heures. Mais si elle est descendue... Oui, elle peut être n'importe où. C'est pourquoi je voudrais que vous me disiez tout ce que vous savez sur un passager censé aller à Los Angeles et qui descend 20 000 km avant. C'est insupportable. Quoi? La classe touriste? Mon agent a pris la réservation. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce doit être affreux. Bien, voici ce que nous avons. Le passager est un certain monsieur Terry Williamson, américain. Embarqué à Melbourne, destination Los Angeles. Mais il n'est pas à bord. Eh bien, nous avions 100-125 passagers de Melbourne. À peu près la moitié d'entre eux vont à Los Angeles. Mais l'escale à Sydney dure environ 2 heures. La plupart d'entre eux descendent puis remontent. Lui n'est pas remonté. Auriez-vous l'obligeance de me dire pourquoi vous le recherchez? Pour meurtre. Il a tué quelqu'un? 8 personnes, en fait. Ravi qu'il ait manqué l'avion. J'aimerais voir certains membres de l'équipage. S'ils se souviennent de ce Williamson, ils pourraient peut-être me donner un signalement. Pas de problème. Mais si vous poursuivez cet individu, comment se fait-il que vous ignoriez à quoi il ressemble? En réalité, je crois que c'est lui qui me poursuit. Papa, il est où? Oh, il revient dans une minute. Il est allé parler avec le commandant. De quoi est-ce qu'il parle? Je crois que papa veut apprendre à piloter un avion. Ah oui, c'est vrai. Non, ce sont les mêmes boucles d'oreilles. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il vient de m'appeler. Il vous a appelé dans l'avion? Alors il est certainement à bord. Commandant... Est-ce qu'il aurait pu passer cet appel du sol? Bien sûr, s'il connaît le numéro. Il aurait pu le relever sur le téléphone quand il était à bord. Vous avez entendu? Affirmatif. En quoi puis-je vous être utile? Il y avait un passager de Melbourne qui est descendu pendant l'escale à Sydney. Il n'est jamais remonté. Il s'appelle Williamson. Terry. On vous transmet le manifeste tout de suite. Faites des recherches sur lui. Oui, je m'en occupe. Rappelez-moi dès que vous savez quelque chose. Attendez une minute. Quoi? Vous aviez raison au sujet de cet homme qui est en prison en Australie. Il a subi une opération. Il était à l'hôpital pendant les 2 premiers homicides. Je savais qu'il était innocent. Terminé. Excusez-moi.
Écoute, Johnny, maman et papa doivent parler seul à seul une minute. Pourquoi personne ne me dit jamais rien? Dis donc, mon grand, toi et moi, on a bien des secrets? Oui. Eh bien, maman et papa aussi ont des secrets. Garde ta ceinture bien attachée, on revient dans une minute. Apparemment, il s'agit d'un passager de Melbourne qui n'est pas remonté à bord. Viens par là. Il n'est pas remonté, il a pu déposer les boucles d'oreilles et prendre le numéro de téléphone en même temps. Andrea fait des recherches. J'espère que tu as raison. Justin, quoi? On a besoin d'un médecin. J'espère qu'on ne se trompe pas. Il y a une femme à l'arrière de l'appareil. Je ne sais pas très bien ce qu'elle a. Je vais consulter le manifeste. Je suis sûr qu'il y a un médecin à bord. Je vais en informer le commandant. Retourne là-bas et reste auprès d'elle. Calmement. Je ne veux pas de mouvement de panique. Tu comprends? Viens, allons-y. Mademoiselle, et je suis du FBI. Il y a un problème. Ce n'est rien, c'est que... Vous devriez venir avec moi. Oui, attendez. Chérie, va t'asseoir avec Johnny, je reviens immédiatement. D'accord? Oui. Que se passe-t-il? Il y a une femme à l'arrière qui... Montez la garde, que personne n'aille à l'arrière de l'appareil. Qu'est-ce qui se passe? Tout va très bien, monsieur, je vous en prie, regagnez votre siège. Reste assis, chérie, je reviens vite. Madame Novak, tout se passe bien? Puis-je vous servir à quelque chose? Et à Johnny? Non, non, ça va. Ça va aller. Si vous avez besoin de quelque chose, appuyez sur le bouton d'appel. Je l'ai trouvé comme ça. J'ai rien touché. Voyager seul? Je pense, oui. Je suis médecin. Vous permettez? Ça répond à votre question, commandant. Il y a un tueur en série à bord. Et il veut que je sache qu'il est ici. Commandant, aucun des passagers ne doit savoir qu'il y a eu un homicide. N'en dites pas plus qu'il ne faut aux membres de l'équipage. Vous ne pensez pas que ça pourrait... être l'un d'eux? Oui, pourquoi pas. Je n'écarte aucune hypothèse. Maintenant, nous devons trouver un endroit où mettre son corps. Dans la soute à bagages. Il faudra la faire passer par la cabine. Très bien, mais on l'installera sur un brancard avec un masque à oxygène. On dira qu'elle est malade. Personne n'a à savoir qu'elle est morte. Monique. Attendez, commandant, il faut que je vous parle. Demandez à quelqu'un d'autre de la transporter. Moi, je pourrais pas. Je regrette. Lynn. Oh, elle. C'est le commandant qui vous parle. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Une de nos passagères est tombée malade. Il n'y a cependant aucune raison de vous inquiéter. Nous avons la chance d'avoir un médecin à bord.
Je vous demande de ne pas circuler dans les couloirs jusqu'à ce que les membres de l'équipage aient fini de transporter la malade jusqu'à l'autre bout de la cabine. Merci. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Perte de connaissance. Elle s'est fortement cognée la tête en tombant. Quelqu'un d'autre a accès à cette zone? Non, il faut la clé de l'ascenseur. Bien, veillez à ce que personne ne descende ici. Allô? Je suis bien chez Monsieur Williamson. Oui. FBI, nous voudrions vous parler un instant, s'il vous plaît. Passagère n'est pas malade, n'est-ce pas? Je vais te dire tout ce que je sais, Michel. Il est maintenant évident que ce fou et moi, nous sommes à bord du même avion. Il a échangé les billets pour nous mettre sur ce vol. Il a tué cette femme pour me faire savoir qu'il est là. C'est devenu une affaire personnelle. Pourquoi ferait-il ça, Kurt? Il est enfermé à bord de cet avion avec toi, il n'a nulle part ailleurs où aller. Ou alors les conséquences l'indiffèrent. Kurt, pourquoi serait-il indifférent? Il n'est pas rationnel, cet homme est un malade. On ne sait pas ce qu'il a dans la tête. D'accord? D'accord. Il faut que je vous parle, monsieur Novak. Oui, je vous écoute. Allez, chérie, attends-moi avec Johnny, je vous rejoins. Oui? Voilà, il y a quelque chose, un détail qui m'a marqué. C'est au sujet d'un passager. Il regardait la femme qui était tuée. Qu'entendez-vous par regarder? Il n'arrêtait pas de la fixer, c'était assez bizarre. Même très bizarre, en fait. D'accord, montrez-moi où il est. C'est l'homme côté couloir, sixième rangée. Je vois. Merci. Attendez, vous n'allez pas l'interroger? Je veux d'abord savoir qui c'est. Je vous informe qu'une personne est décédée à bord. Un passager de sexe féminin, je vous transmettrai les détails nécessaires. Préparez le matériel approprié à l'atterrissage. Non, ce n'est pas dû à une maladie, c'est apparemment un homicide. Nous avons un agent du FBI à bord. Oui, je vous tiendrai au courant. C'est votre appel aux États-Unis. Ça sonne. Allô? Andrea? Novak. Il est à bord. Comment vous le savez? Vous en êtes sûr? Il a tué une passagère. Oh, mon Dieu. Bon, écoutez. Je viens d'apprendre que le passager manquant est une femme. Le tueur a d'une manière ou d'une autre modifié le manifeste. Peut-être l'a-t-il tué, elle aussi. Bon, espérant que ça n'est pas le cas, Andrea, je veux que vous preniez le manifeste que je vous ai envoyé et que vous releviez les noms de tous les passagers de sexe masculin entre 20 et 50 ans. Il doit y en avoir 100-120 environ. Mais je veux que vous commenciez par un passager qui s'appelle... Vous avez la liste. Oui. Le passager... Reese. Carl Reese. D'accord. Et ensuite, vérifiez tout le personnel navigant de sexe masculin, en particulier Dean...
Franklin. Franklin. Dean Franklin. Je suppose qu'il est inutile de vous dire à quel point c'est urgent. Rappelez-moi. Très bien. D'accord, un instant. Je vous le passe. Monsieur Novak, vous avez un autre appel. Je vous mets en communication. Novak, votre enquête progresse, Novak. Vous ne le saviez pas? Vraiment. Est-ce que vous avez un appareil sans fil avec lequel je puisse me déplacer? En vous faisant perdre des passagères, je crois prendre de l'avance sur vous. C'est parce que vous êtes malade, mon vieux. Oui, je sais. C'est insupportable. Il faut vraiment que nous parlions. D'accord, donnez-moi rendez-vous. Je ne crois pas que nous soyons encore prêts pour un face-à-face. Moi, je suis prêt. Je suis prêt depuis longtemps. Nous allons faire connaissance, je vous le promets, Kurt. Mais c'est moi qui déciderai quand, pas vous. Ne comptez pas là-dessus. Je ne compte sur rien. Et sur personne. Vous savez, je suis toujours contrarié au sujet des photos. Ah oui? Vous parlez de votre album de famille? Vous semblez trouver cela désuet. Comme votre petite famille. Laissons ma famille en dehors de ça, voulez-vous? Excusez-moi. Vous vous êtes servi de l'écharpe de ma femme pour tuer cette passagère. Vous n'avez pas apprécié. C'était pourtant une délicate attention. Kurt, pourquoi êtes-vous si bouleversé? Je vous respecte. Pourquoi croyez-vous que je vous ai installé en première classe? Avec quoi avez-vous tué l'autre femme? Oh, il y en a une autre. Terry Williamson. C'est une supposition. Ne supposez pas. Restons-en au fait. Alors pourquoi découpez-vous les photos? À votre avis? Nous pensons que c'est une forme symbolique de mutilation. Je ne mutile personne. Vous n'avez donc pas remarqué? Elles ont toutes l'air si belles, si soignées, parfaites. C'est important d'être parfait, hein? Pour être maître d'une situation, pour prendre soin des gens. Au lieu de vous inquiéter de qui je prends soin, si vous vous inquiétiez pour vous. Pourquoi pour moi? Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour moi? Mademoiselle, est-ce que vous avez une clé qui ouvre cette porte? Vous êtes si occupé à essayer de protéger toutes ces femmes que vous ne pouvez même pas protéger votre jolie petite épouse. Oh, je prends bien soin d'elle, ne vous inquiétez pas pour ça. Oh, vraiment? Alors dites-moi ce que vous faites là-bas, à l'arrière de l'appareil, alors qu'elle est à l'autre bout, avec moi. Vous bluffez. Vous savez ce qui vous attend si vous... Oh, oh, cœur, c'est vraiment magnifique. C'est ce qu'elle a dit quand vous lui avez offert ce minable foulard sans valeur. Alors que les boucles que je lui ai offertes sont magnifiques. Et ce n'est pas tout. Je lui réserve encore beaucoup d'autres cadeaux. Maman? C'est gentil, vraiment très gentil. Je vous recontacterai. Non, Johnny, retourne t'asseoir, je reviens. Oh, pardon, oh, attends. Allez, il était dans la chambre. Oh, chérie.
Je veux un rapport sur son emploi du temps de l'année dernière. C'est extrêmement urgent. Oh, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Le passager qui est en tête de la liste de Novak, Carl Ries. Eh bien, il est aujourd'hui chômeur, mais il a travaillé comme steward sur Southeast Air. Il a été renvoyé pour harcèlement sexuel. Transmettez ça à Kurt. Commandant, pouvez-vous demander à quelqu'un de m'amener Monsieur Ries? Justin? Et vous ne pouvez pas m'en donner la raison? Je regrette, monsieur, je n'en ai vraiment aucune idée. Bonjour. Par ici, monsieur. Bon. Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Asseyez-vous, monsieur Ries. Et vous, vous vous appelez? Novak, agent spécial du FBI. Oh, jolie la photo. J'ai traversé la cabine il y a un instant, vous n'étiez pas à votre place. On ne peut plus aller pisser tranquillement? Répondez à ma question, où étiez-vous? Je n'en sais rien. Le type à côté de moi ronflait et j'ai vu un siège vide et je suis allé m'asseoir là-bas. Vous avez été steward, renvoyé pour harcèlement sexuel. C'est à cause de cette femme qui est malade, c'est ça? Pourquoi ça n'aurait pas de rapport avec elle? Oh, la sale menteuse! Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle est morte, Carl. Elle a été assassinée. Attendez, je n'ai rien à voir avec elle, hein, c'est la vérité. J'ai essayé de discuter avec elle, elle m'a envoyé sur les roses, alors je l'ai lâchée. D'accord. Parlons d'autre chose. Où étiez-vous mercredi dernier? Pourquoi? Une femme est morte, tuée dans son appartement à Sydney. Où étiez-vous? Je n'étais même pas en Australie mercredi dernier. Vous ne me croyez pas? Mon billet. Regardez. Je vous apporte vos entrées dans quelques minutes. Merci. Madame Novak, voulez-vous manger quelque chose? Je n'ai pas vraiment très faim. Peut-être plus tard. Et toi, Johnny, dis-moi, tu as faim, toi? Oui. Très bien. Tu veux bien débarrasser ta tablette? Merci. Voyons, quelque chose me dit que tu adores les lasagnes, c'est vrai? Oh, oui. J'en étais sûr. Que diriez-vous d'un autre verre de chardonnay, Madame Novak? Cela vous aidera peut-être à vous détendre, à calmer votre inquiétude. Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis inquiète? Je sais qu'il se passe quelque chose et que votre mari est impliqué. Johnny, ça doit vraiment être super d'avoir un papa agent du FBI. Oui. Tu dois manger toute ta salade, sinon pas de dessert. C'est un règlement de l'aviation civile. Vous avez un gentil garçon. La plupart des enfants nous rendent fous sur les longs courriers. Je vais vous apporter votre verre de vin. Merci. Vous lui avez parlé? Donnez-moi la liste de l'équipage. Attendez, passez vite. Écoutez, commandant, l'assassin connaît très bien cet appareil. Il a su où emmener cette femme pour l'étrangler sans être dérangé. Il a su la faire sortir des toilettes en passant par le plafond. Il a eu accès à la liste des passagers. Il a su entrer dans les ordinateurs de la compagnie pour me mettre sur ce vol. Il a su se servir des fichiers de la compagnie pour trouver quelqu'un qu'il pouvait piéger en Australie. Et je parie que cette Terry Williamson n'est jamais descendue de l'avion à Sydney. Alors dites-moi, qui diable a bien pu réussir un coup pareil? Et si Terry Williamson n'est pas descendu de l'avion, où peut-elle bien être? Si elle n'est dans aucune des cabines, elle est certainement dans la soute. S'il l'a descendue avant notre atterrissage à Sydney, on aurait remarqué son absence en faisant la préparation cabine à l'atterrissage.
Et après, une fois au sol, il y a toujours une certaine confusion quand les passagers débarquent. Oui, mais c'est la restauration qui utilise les ascenseurs pour réapprovisionner les cuisines. Non, attendez. Il l'a certainement descendu dans la soute à bagages. C'est là-bas que se trouvent les ordinateurs. Excusez-moi. Système de gestion informatique du vol, contrôle électronique, tout ce qui sert à piloter l'appareil. Qui d'autre se sert de cette clé? Personne. Je ne me compromets pas parce que je suis le seul à avoir cette clé, j'espère. Il m'en faut plus pour conclure que vous êtes un suspect, si c'est ce que vous voulez savoir. Je peux vous apporter quelques glaces. Non, il est assez frais. Tu restes ici, Johnny. Tu ne bouges pas de là, je n'en ai pas pour longtemps. Un verre de vin, monsieur? Excusez-moi, pourriez-vous surveiller mon fils un instant, s'il vous plaît? Je ne veux pas le laisser seul. Oh, avec plaisir, Madame Novak, pas de problème. Merci. J'enfreins le règlement ce soir. Je te sers la glace avant les lasagnes, mais ne le dis pas au commandant. Merci. Je t'en prie. Ta maman m'a demandé de garder l'œil sur toi un petit instant. Ça te va? Bon. On dirait que ton père est très occupé ce soir. Oh oui. Je crois que maman est allée le chercher. Il y a encore de longues heures de vol avant d'arriver. Alors dès que tu auras fini ta glace, tu devrais essayer de dormir un peu. Je n'ai pas envie de dormir. Tu fais des cauchemars? Maman vous en a parlé? Quand j'étais petit, l'obscurité me terrifiait. Oui. Je fais parfois des cauchemars. Je pense que tout le monde te demande d'être fort et courageux comme ton père. Ça doit être dur. Je parie que ton père est très courageux. Bien sûr qu'il l'est. Il n'a peur de rien. Rien du tout? Oh, je pense qu'il doit avoir peur pour toi. Ça, c'est différent. Pas du tout. Je crois que tout le monde a peur de quelque chose. Il y a toujours quelque chose que l'on redoute. Il est courageux, votre père? Non. Pas vraiment. Je dois retourner travailler. Je reviens te voir dans un moment, d'accord? D'accord. Excusez-moi, je suis Michelle Novak. Est-ce que vous savez où est mon mari? Il est descendu dans la soute. Je suis sûr qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il ne va pas tarder à revenir. Allez voir là-bas.
Elle est remontée. Qui? Je sais pas. Michel, aide-moi. Elle va bien? Oui, je crois. Le médecin va l'examiner. Michel, pourquoi tu n'es pas avec Johnny? Il va bien, il est en train de... Je veux que tu restes avec lui. Sur lui? Pas de casier. Il vit avec sa mère. C'est ça qui est pathologique, non? Ah, très drôle. C'est le dernier membre de l'équipage sur la liste de Kurt. La porte est ouverte, vous pouvez entrer. Madame Shaw? Je suis là, entrez s'il vous plaît. Madame Shaw, FBI. Le nom de cette bataille où quelqu'un a dit ne tirez pas avant de voir le blanc de leurs yeux. Bunker Hill, je crois. Bunker Hill, oui, c'est exact. La dernière bataille de Custer. Bonne réponse, c'était Bunker Hill. Ah, c'est très bien. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui connaissent ces choses-là. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Nous aimerions vous poser quelques questions sur votre fils, Justin. Pourquoi il a eu un accident? L'avion? Non, ça n'a rien à voir. Je me fais du mauvais sang pour lui parfois, avec tous ses vols. C'est un très bon garçon. Je suis sûre que c'est un bon garçon, Madame Shaw. C'est pourquoi nous voulons en parler avec vous. Elle a vu l'assassin, docteur. Je dois l'interroger. Vous pouvez essayer, mais vous n'aurez aucune réponse. Elle est en état de choc. Vous n'avez rien pour la calmer? Je vais lui faire une piqûre, mais ça la fera dormir. Johnny a disparu. Je lui avais pourtant dit de ne pas quitter son siège. Michel, tu n'aurais pas dû le laisser seul. Mais il n'était pas seul. J'ai demandé au steward Justin de rester avec lui, de le surveiller. Tout va bien, messieurs, dames. Où est mon fils? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Madame Novak, j'ai bien pris soin de Johnny, mais il m'a dit qu'il s'ennuyait et qu'il n'avait pas envie de faire de sieste. Dean a, vous savez, des jeux électroniques, alors il est parti là-bas pour en chercher un. J'espère que... Dean, où est mon fils? Votre fils? Je suis désolé, je ne connais pas votre fils. Écoutez, Justin m'a dit que vous aviez emmené mon fils ici pour lui donner un de vos jeux électroniques. Maintenant, où est-il? Je ne m'occupe pas des passagers de première classe, monsieur. J'ignore pourquoi il vous a dit ça. Vous allez venir avec moi. Avancez. Je préfère que tu attendes ici. Je continue à chercher. Est-ce qu'il a une fiancée? Est-ce qu'il a quelqu'un? Quelqu'un d'autre? Non, bien sûr que non. Justin s'occupe de moi.
C'est ce qu'un fils doit faire, un bon fils. C'est le moindre qu'il puisse faire après. Après quoi? C'était un accident, un simple accident. C'est à cause de lui que vous êtes dans ce fauteuil roulant? Vous ne croyez pas, j'espère, qu'il m'ait délibérément poussé dans les escaliers? Vous dites que c'était un accident? J'avais un amant. Justin avait 10 ans. Nous avons eu une dispute. Je suis dans un fauteuil roulant. Il a toujours cru que j'étais responsable du départ de son père. Je voudrais jeter un coup d'œil à sa chambre. Mon fils est quelque part dans cet avion. Je le retrouverai, dussé-je passer cet appareil au peine fin. Mais ça ne me prendra pas aussi longtemps, Dean. Parce que vous allez me dire où il est, et maintenant. C'est insensé. Nous sommes dans un avion, monsieur. Alors comment aurait-il fait pour disparaître? J'espère que vous ne mettez pas de désordre là-haut. Peut-être que nous faisons fausse route. Continuons quand même à avancer. Je veux que vous remettiez chaque chose à l'endroit exact où vous l'avez trouvée. Monsieur, vous vous êtes empressé de mettre le meurtre de cette passagère sur le dos de Carl Reiss. Attendez, pas si vite, j'essayais seulement de vous aider. Je veux savoir où est mon fils. Qu'est-ce qui se passe ici? Restez en dehors de ça, commandant. Dean sait où est mon fils et il va me le dire tout de suite. Je ne sais absolument rien, commandant, je vous le jure. Vous croyez que Dean a tué toutes ses femmes et qu'en plus il a pris votre fils? Quelle femme? De quoi est-ce que vous parlez? Je me porte garant de Dean, j'ai fait plus de 100 vols avec lui. Et avec Justin? Justin, je ne connais pas très bien. Pourquoi? Elle ne parle à personne. Nous ne connaissons absolument rien de sa vie privée. Il reste ici. Vous ne le perdez pas de vue. Compris? Il reste ici. Mademoiselle, savez-vous où est Justin? Il n'est pas là. Et ma femme, où est-elle? Je ne sais pas, monsieur. Regardez ça.
Il manque seulement deux morceaux. En cours deux, et le jeu sera complet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un comportement compulsif. Quand il aura les dernières pièces, ce sera fini. Mais comment ça fini? Où est-ce que je suis? On a fait une bonne sieste? Je vois ma maman. Tu n'es pas le seul. Rendez-moi mon fils. Maman! Ah! Ce n'est rien, n'aie pas peur, maman est là. Alors, Madame Novak, vous êtes venue seule? Très bien. Je suis là maintenant. Vous n'avez plus besoin de lui, lâchez-le. Non, maman, j'ai besoin de lui et j'ai besoin de ton papa aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'une famille sans père, hein? Je n'ai pas peur de vous. Oui, on est courageux tout à coup. Je vous en prie, ne faites pas de mal à mon fils. Mon père va vous jeter en prison. Très bien, il ferait mieux de se dépêcher. Pas joindre l'avion. Leur radio ne peut pas, mais... Eh bien, essayez encore. Qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur est devenu fou, je n'ai plus le contrôle, tous les systèmes sont en panne. C'est Justin! Il est dans la soute! Pas de radio, on a perdu toute communication! Je vais descendre! Attendez! Il est avec ma femme et mon fils! Je viens avec vous! Si je peux accéder au FMS, je pourrai le reprogrammer! Tenez! C'est le seul moyen de communication que nous ayons! Ça y est. Ouais. Mais une chose est certaine, ça vient de lui, pas de nous. Écoutez, vous allez rester là. Moi, je vais essayer de le retrouver. D'accord. Progressez, Novak. J'attendais de vos nouvelles, Justin. Où sont ma femme et mon fils? Vous avez mis pas mal de temps pour comprendre. Je voulais simplement vous dire au revoir. Vous voulez que l'avion s'écrase, c'est ça? Comment vous avez deviné? Alors vous n'avez pas besoin d'eux? Vous non plus, Novak. Et puis, ils s'amusent bien avec moi. Justin! Justin, continue à parler!
Pourquoi vous vous mettez dans cet état? Votre fils parlait sans que je lui ai donné la parole. Il fallait bien que je le fasse taire, non? Ne vous arrêtez pas, continuez à parler. Comme ça, je pourrai vous retrouver, nous pourrons régler ça. Ça va être réglé, Novak. En attendant, je m'amuse un peu, c'est tout. Parlez-moi de votre enfance. Vous avez subi des sévices sexuels? Oh, je vous en prie, ne me faites pas rire. Les agents du FBI prennent des cours de psychologie maintenant. Papa! J'essaye seulement de vous comprendre, mon vieux. C'était qui, votre père? Je ne joue pas à cela, Novak. C'était votre mère? Madame Novak, restez où vous êtes, sinon je lui brise le cou. Ce ne sont pas des menaces en l'air. Vous entendez? Madame Novak, je vous en prie. Rendez-moi mon fils. Lâchez-le. Votre mère doit vraiment être une femme exceptionnelle. Vous ne pouvez pas la tuer, alors vous tuez d'autres femmes, c'est ça? Je prends soin de ma mère. Oui, j'ai vu ça, Justin. Vous la coiffez. Vous la rangez, vous la faites belle. La ferme, Novak, la ferme. Vous ne comprenez rien, rien du tout. Vous avez eu une vie trop facile, Kurt. Kurt, vous m'écoutez? Papa! Kurt, vous m'entendez? Papa! 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 Salut, Justin. Papa! Non, ne faites pas ça! Kurt, peut-être que Johnny aimerait plonger dans l'océan avant que l'avion s'écrase. Hein? Ne faites pas ça, je suis. Un pas de plus et il plonge. Ne t'inquiète pas, Johnny. Ma proposition tient toujours. Moi contre eux, qu'en dites-vous? Ne l'écoutez pas, Justine. Ça se passe entre vous et moi. Ne faites pas ça. Ça ne sera jamais fini si on ne s'explique pas. Allez, Justine, moi contre eux, c'est ce que vous voulez. Johnny! J'appuie sur ce bouton et l'avion descend tout droit dans l'océan. Qu'est-ce qui se passe, Justine? Vous n'aimez pas les face-à-face? C'est pas votre style, c'est ça? Ça vous fait peur, n'est-ce pas? Vous préférez vous attaquer aux femmes par surprise, c'est ça? C'est plus à votre niveau. La ferme! La ferme! C'est entre vous et moi, laissez mon fils tranquille! Maman! Justine! Lâchez mon fils, lâchez-le!
y est. L'ordinateur fonctionne à nouveau. Oui, j'ai le contrôle. Donne-moi 15 000 pieds. 15 000 programmés. Vario positif 2500 pieds minutes. Altimètre programmé. Oui. On remonte. Famille. Quand je disais que je voulais être dans le circuit, c'est pas ça que je portais. Bon, emmenons-le. Je reviens dans une minute. Il avait tout un montage photo dans sa cave. Il lui manquait seulement deux clichés pour compléter le tableau. Je les ai quand même eus. Votre mère ne jure que par vous. Je vous ennuierai pas de faire la paperasserie. J'ai besoin de passer un peu de temps avec ma famille. Mais j'allais vous le proposer. Il y a une voiture qui vous attend. Merci. Bon, maintenant, allons-nous-en d'ici. Papa, tu sais ce que je me disais? Qu'est-ce que tu te disais? Ben, c'était pas vraiment des vacances. Alors, est-ce qu'on pourrait pas aller ailleurs? D'accord. On va vivre une véritable aventure cette fois. Ouais. On va aller camper au fond du jardin.